le match match d'entame, je pense que on pouvait gagner. On avait beaucoup de possibilités de marquer. En plus, je pense, après coup, on avait aussi, je pense, de pénalty qui n'ont pas été faits. Bon, c'est le football. Et c'est un bon test pour nous. C'est un bon test parce qu'il fallait gérer et le match, et gérer aussi l'ambiance qui régnait. Donc, il y avait quand même un stade plein. Donc, sur les deux façons, donc, ça s'est bien passé pour le match, le premier match du championnat. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé à faire ce qu'on doit faire. Donc pour ça, donc il faut travailler plus, se concentrer plus, plus d'abattage, plus d'engagement. Donc et si Inch'Allah si on arrive à faire tout ça et aller de l'avant et travailler, je pense que on peut mieux faire. Donc il y avait le même match technique, il y avait des changements qui ont été opérés. Donc je suis là aussi pour les éléments du match. Oui. Donc est-ce que vous avez une idée Balaxia s'il allait attaquer ou la faire? Non, d'abord on fait avec notre effectif. Donc tous les schémas se font par rapport à ce que tu as sous la main. Donc à partir de là, on fait un schéma en place et espérer toujours bien faire pour gagner les matchs. Et de temps en temps, bien sûr, il faut voir l'équipe adverse, si on la connaît, s'ils ont des éléments dangereux, s'ils ont des éléments performants. Donc à partir de là, il y a des possibilités de changement et de réflexion. Mais comme on connaît bien notre groupe, on a des joueurs qu'il faut pour le schéma 3-5-2. Donc je pense qu'on a fait par rapport à nos moyens humains, peut-être à nos moyens qui sont les joueurs. Pour le prochain. Il y en a un qui sera pas là. Oui. Non, monsieur, malheureusement. Heureusement, parce que c'est comme ça qu'on va faire jouer tout le monde. Voilà. Malheureusement, pour lui. Non, le schéma, c'était par rapport aux joueurs qu'on a. Il sera maintenu Ah, je peux pas te le dire. Sinon, ils sont payés pour ça. Voilà. Si tu vas le dire le ou le niveau. Non, on fera par rapport aux joueurs qu'on a. Donc, s'il y a changement à faire, on le fera. Qui a maintien de la façon de faire, on maintiendra. Donc, est-ce qu'on a des joueurs aptes pour remplacer Amine sur le côté, ou on ne les a pas? Donc, si on les a d'abord sur le plan de la qualité, et on les aura par rapport à leur forme, donc on optera pour la même chose. Maintenant, si on a la qualité, mais ils ne sont pas à la hauteur sur le plan de la forme, on va essayer de voir comment trouver des solutions pour mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Les éléments, vous les avez? Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a fait signer 25 licences. Ah. Et si on a pris des joueurs en plus, ce n'est pas pour juste les regarder et les mettre dans une vitrine. Donc, parce qu'il y a des blessés, il y aura des blessés, parce qu'il y a des suspendus. Donc, c'est un collectif qui va jouer pour l'équipe. J'ai pour le volet offensif. Par rapport à la qualité de l'autre, vous avez... Non, si on avait en caisse 10 milliards de centimes, je m'inquiète. Quand on a de l'argent, on n'a pas acheté. Mais si on s'inquiète, ça veut dire qu'on est des fous. Si on a lâché Yannick, ça veut dire que nous sommes des fous. Donc on ne peut pas juste faire comme ça et des joueurs vont venir ici. Donc il faut marcher, il faut faire la politique, sa politique, de ses moyens. Maintenant on peut réfléchir et penser, via, il peut nous apporter beaucoup de choses. Si un ici a les moyens de nous rapporter via, c'est très bien. Et si on a les moyens d'aller apporter les meilleurs joueurs d'Algérie, c'est très bien. Mais est-ce qu'on a les moyens? Sinon on ramène les gens et on va les gérer sur le plan mental, parce qu'ils ne seront pas payés, juste ouais, novembre, juste ceci, juste là. Par rapport à ce que vous avez dit. Quoi, on est inquiet? On n'est pas inquiet parce qu'on a une équipe et on a des joueurs.
Et avec ces joueurs, on va jouer et on va faire ce match. Vous allez marquer. Ah ben oui, si on ne marque pas, on n'est pas des footballeurs, on est des rugbymans. Maintenant, combien on va marquer d'ici la fin de saison? Combien on va encaisser? Oui, il a eu un petit bobo, donc on l'a arrêté. Des cas comme ça, il ne faut jamais se lever une arme. Tout de suite, il faut arrêter, quel que soit. Même si c'est un match important et officiel, on l'arrête. En plus, c'est un entraînement, donc oui. Pour le match, c'est le deuxième, je pense, du championnat. On va l'attaquer. Et bien sûr, c'est bien contre un nouveau promu. Donc après, c'est... Oui, c'est encore un nouveau promu. Donc, je pense qu'ils ont fait un bon match aussi contre ce club. Donc, ils ont de la qualité. C'est à nous de bien se préparer sur le plan mental et se comprendrer et rien n'est gagné d'avant. On a ce plaisir, nous les Algériens, quand il y a un grand club. Donc on se prépare en conséquence. Quand, soi-disant, entre parenthèses, il y a des petites équipes, on se laisse faire. Non, c'est là où il faut être plus vigilant et mieux concentré et bien décidé et organisé pour aller chercher un résultat positif. Justement, il y a de la réussite, je sais, mais maintenant, le meilleur résultat, il est reparti avec un match, avec deux matchs. Le samedi là. Non, avant. Ah, rien ne ressemble. On m'a dit ça dans un autre contexte, où on m'a dit il n'y a aucun espoir pour aller chercher le podium. Pourquoi? Parce que CRB, jamais maintenant. Jamais. Et on va jouer CRB. Donc la réponse, vous la connaissez. C'est pas moi qui ai gagné, c'est les joueurs. Mais il fallait dire quelque chose. Voilà. Il fallait préparer les joueurs autrement. Parce que si tout le monde va se dire, tiens, Nadmoti Nadwara, on peut faire des bêtises. Et si on va se dire, jamais Rbanaha, on va continuer, jamais Rbanaha, on va continuer comme ça, jusqu'à l'akhir de l'année. Donc, ça c'est bien sûr, les statistiques, c'est fait pour aussi, hein. C'est fait pour savoir si on a gagné. Mais ce qui est sûr, la GSMB, quand elle a joué Manaz il y a 10 ans, les joueurs n'étaient pas là. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas de blessé, mais je ne sais pas. Il a eu un point. Non, il a eu un point, donc on va voir. On l'a arrêté pour ne pas compliquer cette situation. On va voir si c'est peu ou là. Pour moi, c'est ça. C'est mon analyse. J'ai l'impression que c'est un joueur qui compte ça, qui gère bizarre, pour blâmer des lois. C'est votre analyse. Il n'a pas de finalité. Non, c'est mon analyse. Voilà, c'est votre analyse. Vous avez le droit de voir.